Le message suivant a été payé par Magic Bullet, fourni par Homeland Housewares. À table. Homeland Housewares. We make life easy at home. Comment ça va ce matin? Regarde qui est là! Bonjour, Berman! Ah bon, c'est pas si fort. Un petit verre pour ta petite gueule de bois? Oh, il plaisante. Vas-y, essaye ça. C'est une boisson fouettée aux fruits. Salut. Ça semble bon. Est-ce que je peux en avoir? Ouais, moi aussi. T'as quelle sorte? Quelle sorte préfères-tu? Il en a aux bananes et aux fraises. Des petits fruits? Bien sûr que j'ai ça. J'ai des framboises. J'ai des bleuets. J'ai des fraises. Voilà, regarde. Un peu de jus. J'ai pas encore fini. Tu mets de la glace. Tu installes la lame. Tu donnes un petit coup. Et regarde. Ça prend environ 3, 4, 5 secondes. Et regarde ça. Une super boisson fouettée aux fruits des champs en moins de temps qu'il nous faut pour le dire. Regarde ça. Merci. C'est quoi ça, un prépare-boisson fouetté? Oui, si tu veux que ça soit ça. Est-ce qu'il y a une chance qu'on ait un vrai déjeuner? Que dirais-tu d'une omelette? Je vais prendre des œufs. Combien tu en veux? Deux, ça va. Maintenant, et ensuite? Du jambon. OK. Des tomates, d'accord. Que dis-tu de ça? Un oignon. Oh, et du fromage. Tout, c'est ça? Ouais, tu veux oui, tout? Oui, tout. D'accord. Je comprends. On va mettre ça dessus. Et regarde, je hache le jambon et les légumes. Je râpe le fromage, je bats les œufs, le tout en 3 secondes. La machine qui a fait ses boissons fouettées pour Berman et Fred va faire une omelette pour toi. Ouh! Regarde ça! Pendant que ça cuit, puis-je offrir du café à quelqu'un? Où est le moulin à café? Je vais t'aider. Oh, reste assis. On n'a pas besoin d'un moulin à café, parce qu'en 10 secondes, on va avoir du café fraîchement moulu. Vous êtes prêts? Voilà. Que tu aimes une moulure classique ou, disons, extra fine pour un expresso, c'est fait en quelques secondes. Et maintenant, regarde ça. En un rien de temps, du café fraîchement moulu. Ça sent bon, hein? Je vais le faire infuser, ce café. Voilà une omelette légère, juste comme tu l'aimes. Ah! C'est le four! Quoi? C'était rapide! Et que serait un déjeuner sans vos muffins préférés fraîchement préparés? Est-ce que quelqu'un a dit muffins? C'est ce que j'ai dit, Hazel. Et puisque j'aime les bananes et les noix... Et que j'aime les miens avec des bleuets bien mûrs... Ça ne demande pas plus de temps ou d'effort de faire 2 ou 3 sortes de muffins que d'en faire une seule. Alors, voilà... Tout le monde a... Exactement ce qu'il veut. Hey, attends un peu. Tu viens de mélanger des boissons fouettées, t'as battu une omelette, t'as moulu du café et t'as préparé 2 types de pâte à muffins dans ce truc. Mais c'est quoi exactement? C'est le Magic Bullet. Le magicien de comptoir individuel et polyvalent. Le magicien de comptoir? Oui, parce qu'il semble agir par magie. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir ta lame. Il y en a 2. On tourne, on place le bullet sur la base alimentée et on presse. Tant qu'on le maintient, ça fonctionne. Quand vous voulez arrêter, vous relâchez. Ou encore, pressez et tournez et ça fonctionne pour une utilisation sans les mains. Lorsque vous voulez l'arrêter, tournez à l'envers. Wow, c'est beaucoup plus simple à utiliser que tous ces appareils compliqués qu'on nous offre au mariage. C'est bien vrai. Et regarde ça. À la différence de ces appareils compliqués, qui sont trop encombrants et qui finissent au fond d'une armoire. Tu vois, le Magic Bullet ne prend pas plus de place sur le comptoir, regarde ça, qu'une tasse à café. Alors tu vas le laisser sur ton comptoir parce que tu vas l'utiliser tous les jours. Allons, Mimi, tous les jours. Plusieurs fois par jour, parce qu'il fait tout dans la cuisine en 10 secondes ou moins. Ouais, 10 secondes ou moins. OK, dites-moi, quelle est la pire chose que vous faites dans la cuisine? Et presque tous les repas commencent avec ça. Hacher de l'ail, cet ail puant et désagréable. Eh bien, Hazel, ce n'est plus désagréable. Regarde, tu places l'ail dans le bullet. Il faut 1 seconde pour tout mettre ensemble. Tout ce qu'il reste à faire, c'est 1, 2, 3 secondes. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour sortir un couteau et une planche, tu as de l'ail fraîchement haché. Pas de dégâts, pas d'odeur. Mais tu sais quoi? Le pire pour moi, c'est de hacher les oignons. Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai les mains qui puent pendant des jours, j'ai les yeux qui pleurent. Je peux pas le supporter. Mais bon, c'est pas la peine de chialer. Regarde-moi ça. 1,
deux, trois secondes. Et voilà des oignons parfaitement hachés. Regarde, et voilà, dans la poêle. Regarde. Regarde bien ça. C'est ce que je fais juste avant le grand jeu. Mets 5 ou 6 tomates cerises là-dedans. Ce sont celles que j'aime parce qu'elles ont le meilleur goût. Un petit peu d'ail, un peu de piment fort, un oignon, un peu de coriandre. N'oublie pas qu'il faut un instant pour installer la lame. Regarde. 1, 2, 3 secondes et c'est tout. Et voilà. Vous êtes prêts? Regarde ça. Une délicieuse salsa prête à manger. Oh, laisse-moi voir ça. D'accord, Berman. Goûte ça. C'est tellement facile à utiliser. Tu vas t'en servir tous les jours. Pour chaque repas, que diriez-vous d'un bon petit dîner préparé à partir des restes? J'ai du poulet grillé, qui reste du barbecue d'hier soir, et je vais ajouter des pommes, des raisins secs, un peu de mayo. Ah, et juste pour épicer un peu tout ça, mon préféré, un peu de curry. De la poudre de curry pour tout. Puis je vais retourner le tout. Et regardez, ça émince le poulet, ça coupe en dés les pommes et ça mélange le tout en 4, 5, 6 secondes. En moins de temps qu'il nous faut pour griller du pain. Voilà une délicieuse salade gourmet au poulet prête à servir. Et voilà, un dîner prêt en 6 secondes. Si seulement tous les repas étaient aussi simples. Oui, préparer les repas, c'est toute une affaire. OK, alors voilà. Commencez avec 2 gousses d'ail, ajoutez 2 cuillères à table de beurre, du parmesan frais et un peu de crème. Puis regardez ça. Placez-le dessus. On referme le tout. Et en un tournement, nous avons râpé le parmesan, haché l'ail et mélangé tous les ingrédients. Et voilà! Nous sommes prêts à faire cuire. Et voici la magie du boulette qu'aucun autre appareil ne va réaliser. Je vais simplement placer un de ces couvercles ventilés et je vais le placer dans le micro-ondes à cuire pendant 30 secondes. Tu vas le faire cuire dans ça? Bien sûr! Je vais aussi le faire cuire dans l'appareil avec lequel je vais de préparer mon repas, sans salir un seul plat ni une seule casserole. Pendant que Mimi s'ennuie avec le micro-ondes chaud, je vais nous préparer une sauce pesto vite faite. Vous êtes prêts? Un gros morceau de parmesan, de l'ail, du basilic. Regardez comme c'est facile. Une poignée de pignon. Vous mettez le tout là-dedans. Finissez avec un peu d'huile d'olive. Regardez comme c'est facile. Appuyez sur le dessus. Placez le bullet sur la base. Et ensuite, on hache le basilic. On broie les pignons. On émince l'ail. Et on mélange tous les ingrédients. Et aussi rapidement que vous pouvez compter jusqu'à 10, vous obtenez une sauce au pesto maison. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de verser la sauce sur vos pâtes préférées. Regarde, et voilà, une superbe sauce au pesto faite de A à Z en moins de 10 secondes. Et la sauce Alfredo. Je vais mélanger avec la lame croisée et placer ça sur la base d'alimentation et remélanger rapidement. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Et voilà. Regarde-moi ça. Des fettuccini sauce Alfredo tout chaud et une délicieuse sauce au pesto maison. Croyez-moi, ce sont les meilleurs que vous ayez jamais mangés. Ça a besoin d'un peu de parmesan fraîchement râpé. Voilà, regardez comme cela râpe vite, même avec les fromages à pâte dure, juste dans la tasse du bullet. Comme ça, c'est fait, en quelques secondes. À présent, je vais placer le haut du saupoudroir. Vous vous rappelez? Il suffit de le tourner, regardez, du parmesan fraîchement râpé pour vos fettuccini sauce Alfredo. Génial, non? Hé, hey, attends un peu, t'as préparé 2 plats de pâtes en moins de 2 minutes? Ça me prend plus de temps pour téléphoner à la pizzeria pour commander une pizza. Ah, et aucun repas n'est complet sans un dessert, pas vrai? Oui, c'est vrai.